on pourquoi va faire ce studio un... fond vert parce qu'on va faire une vidéo où on fait semblant qu'on marche dans la nature alors qu'en fait on est dans un... Non, c'est pas ça. Et Thomas, t'as qu'à nous expliquer parce que... Bonjour Thomas O'Brien. Salut. Je suis méga super méga super vraiment content. Je vais vous prendre en photo avec des techniques de très long temps d'exposition. La photographie, normalement, souvent, c'est quelques centièmes de seconde, voire même millième de seconde. C'est complètement fou. Moi, je sais plutôt 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Et donc, du coup, vous partez avec 6 bras, 3 têtes, tout. C'est... Wow. Ça va être foufou. Wow. Ah, carrément, ça. Demogorgon. Yeah. Ah. J'aimerais faire un truc très cliché, tu sais, genre, mais j'ai un côté très sensible et vraiment émotif, mais en même temps, j'aime l'humour avant tout. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? C'est parti? Ouais. Prêt pour une première? 1, 2, 3. Ok, parfait. Deuxième, tu me dis quand t'es prête. Je suis prête. 1, 2, 3. Ah, oh, c'est dingue! Par contre, j'ai vraiment une vieille gueule. Vraiment une vieille gueule de con, quoi. C'est juste une photo. Oh là là ! C'est juste une photo, dit le mec. Zéro montage, quoi. C'est une photo, il n'y a pas de... Comment dire ? Ah, pas de montage. Jean-Michel, mon visage du haut est vraiment nul à chier. Mais sinon... Bah non. Mais si, bah non. Je suis comme ça. Alors... Bah non, ça me fait bien. Photographe depuis quand, Thomas? Je suis photographe depuis 5-6 ans, en fait. Je suis photographe par accident, parce qu'en fait, je suis batteur. Et donc, du coup, j'ai voulu faire des vidéos de batterie. Enfin, je fais des vidéos de batterie, instant publicitaire, Drum Remix sur Facebook. Et du coup, je fais de la vidéo. Et vu que je fais de la vidéo avec des appareils photo, bah, du coup, vu que je voulais faire du dessin, bah, je me suis mis à faire des photos. Et du coup, je suis photographe. Comment t'en es venu à cette technique un peu particulière et novatrice, n'est-ce pas? Ben, par accident. Un jour, j'ai un pote, il est passé à la maison, on a essayé des trucs et on a fait « Ouah !» et le truc. Alors du coup, il me fait « Ouah !» Et c'est parti de là, en fait. D'accord. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est vraiment bien. Donc c'est ton truc à toi? Bah, ma connaissance, ouais, j'ai un peu cherché, je sais pas. Du coup, ça se rapproche un peu du dessin, du... C'est pour eux, c'est une façon de... Enfin bon. Voilà. Pour résumer. Vous pouvez retrouver tout le travail de Thomas sur sa page Facebook. Ouais. Thomas O'Brien. Yeah, exactly. C'est ton vrai nom. Oui, c'est... C'est pas un nom genre c'est pseudonyme. Non, parce que mon grand-père était irlandais et... my god. Et du coup, mon papa était franco-américain et du coup, j'ai un nom polonais. Ce qui fait de toi une magnifique personne. Oh. Consonance irlandaise, attention, bien sûr. Attention, je crois que c'est un cœur. Et attention, il explose en feu d'artifice. Merci Thomas. Merci à vous. A plus. Ciao. Je pense qu'on peut résumer notre avis à JPP, c'est parfait. Ouais. Ouais. C'était encore des étoiles dans les yeux, mais en fait, je crois que c'est juste parce qu'il y a eu les flashs. Ah, quand il passe la lumière comme ça, après, t'es là. J'ai envie de le refaire en changeant de tenue 7 fois pour voir. Ouais, avec des jambes de tête. Chut, il est là, il arrive. Chut. Avec des ustensiles cool, genre une. Hein? Ça. T'as vu à Avignon, c'est le projet du plan du cinéma. C'est vachement bien, c'est ça. Bien. C'est un joli, hein. C'est un bel escalier là, du monde. Le mec habite dans ce cinéma. Il peut pas dire des trucs bien sur lui sans qu'il soit là. On est de retour. On est de retour, absolument. Avec Antoine Daniel. Et c'est moi. Ça va? Ça va très bien. Écoute, ça fait tellement longtemps qu'on doit faire cette interview. C'est vrai, c'est vrai. La dernière fois qu'on a fait, c'était il y a deux.